tous les peuples battaient les mains, acclamaient Dieu en éclat de joie. Alléluia. De Saint-Irénée, page 17. Psaume 7.
persécuteur, délivre-moi. Il n'emporte comme un lion mon âme, lui qui arrache et personne qui délivre. Entrailles dans la poussière. Lève-toi, Seigneur, dans ta colère. Réveille-toi, mon Dieu. Il veut la justice. Juge-moi, Seigneur, selon ta justice et selon mon innocence. Juste juge long à la colère, mais Dieu en tout temps irritable pour celui qui ne revient. L'ennemi a fui de son épée, il prend de son arc et arrête. C'est pour lui qu'Hervel de ses engins et fait de ses flèches les demandants. Voici qu'il a conçu la misère, en mal de vie s'il enfante le mécompte. Il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu'il a fait. Psaume 24. Aide-moi en ton amour, souviens.
touche les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa foi. Tous ces chemins sont à mon hérité, au regard de sa alliance et ses préceptes. À cause de ton Seigneur, Adonai est en ravissement. Est-il un homme qui craigne le Seigneur? Il le remet dans la voie qu'il faut prendre. Son âme séjournera dans le bonheur, sa lignée possédera la terre. Le secret de Dieu est pour ceux qui le craignent, son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur, aligné vers l'idée du divin. Tourne-toi vers moi, pitié pour moi, solitaire et malheureux que je suis. Desserre l'angoisse de mon cœur, hors de mes tourments, tire-moi. Oh, malheur et ma peine, efface tous mes égarements. Oh, les ennemis qui foisonnent, de quels ennemis violents ils me ravissent. Garde mon âme, délivre-moi. Point de honte pour moi, tu es mon abri. Innocence et droiture me protègent, j'espère en toi, Seigneur. Rachète Israël, ô Dieu, rachète-le de toutes ses angoisses. Psaume 145. Ton Dieu aussi, on a changé.
cantique de Jérémie, page 309. Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël. De la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte, et les diriger dans le désert. Un pays plantureux pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Abandonnez-moi la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, citernes les ardées qui ne tiennent pas l'eau. De Saint Bernard de Clairvaux, au XIIe siècle, l'action de grâce de l'étranger. Est-ce que tous les 10 n'ont pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? C'est dans ces termes, on s'en souvient, que le Sauveur reproche aux lépreux leur ingratitude. Ils avaient bien adressé à Dieu, comme le dit l'apôtre, des demandes, des prières et des supplications. Ils avaient même crié pour dire: Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Mais il leur a manqué l'action de grâce que saint Paul ajoute à sa liste, car ils ne sont pas revenus dire merci à Dieu. Heureux Samaritain, au contraire, qui n'avait rien qu'il n'eût reçu et qui savait le reconnaître. Il a gardé son dépôt et pour rendre grâce, il est revenu au Seigneur. Heureux le chrétien s'il sait, à chaque cadeau de Dieu, retourner vers le Christ, où se trouve la plénitude de tous les dons. Nous montrer reconnaissant envers lui pour les bienfaits reçus, c'est créer en nous un espace pour la grâce et ainsi nous rendre aptes à recevoir davantage. Seule l'ingratitude fait obstacle en nous au progrès de la croissance. Aussi, je vous en prie, humilions-nous de plus en plus sous la main puissante de Dieu et rejetons bien loin l'ingratitude. Donnons-nous sans réserve à l'action de grâce. Elle nous assurera la faveur de Dieu et
seul capable de nous sauver. Et que notre reconnaissance ne s'exprime pas en paroles seulement, ni du bout des lèvres, mais en œuvre et sincèrement. Car le Seigneur, quand il donne, attend de nous une action de grâce, c'est-à-dire un remerciement vécu plus que parlé. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas
en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés, et les 9 autres, où sont-ils ? On ne les a pas vus revenir pour rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il ressuscite la force de salut. Amour qui scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Salut, Julien. Saint, oh Dieu fort.
Seigneur, viens mettre sur nos lèvres le chant de l'affection filiale, de gratitude envers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Oh,